Salut à tous, c'est Mister David et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Scribble Note, le petit jeu où on fait travailler son imagination. Alors aujourd'hui j'incarne un des frères de Maxwell, de Emo, parce que la vie c'est trop injuste, c'est trop dark. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, on se rapproche de la fin, hein, plus que quelques niveaux. Bon, alors, le Resifted, c'est parti. Bienvenue à Resifted. Alors, je suis coincé, aide-moi à sortir de ce filet. Bah, on va te retirer le filet. Non, le filet, je voulais retirer. Vidé, ouais. C'est mon ami. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ma lumière est trop faible pour attirer des proies. Aide-moi, n'a plus grand objectif sur moi. Grand. C'est bon? Non. Lumineux. Ok. Ensuite, salut mon frère. À l'aide, je manque d'air. On va te donner de l'oxygène. Tiens. Un tuba. Les tubas des plongées. Non. Alors une bouteille d'oxygène. On va essayer en laissant un espace. Ah, en un mot, d'accord. Une bouteille en verre. Bon, une tenue de plongée. Bon, de plongée. Pourquoi il trouve pas? Une tenue de nageur. Masque à oxygène. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Tant pis, je te laisse mourir. Non, je déconne, je reviendrai. Cette palourde possède la paire parfaite pour ma collection. Bah, tiens. Oh, la voleuse! On a volé la voleuse. Tiens, cadeau. Bonjour, les amis. Quelques-unes de nos maisons ont été détruites. Créez quelque chose pour aider le récif à pousser. De l'engrais. Artificiel. Bah, je vais faire une maison. Une maison générique. Voilà, une maison, ça marche. Bon. Toi, je t'ai donné un tuba. Je t'ai donné plein de choses, ça marche pas. Est-ce que c'est la voiture qu'il faudrait enlever? Non. Pour respirer. Ah, masse de plongée. Ah. Voilà. Avec un scaphandre, ça va tout de suite mieux. Bon, bah, déjà fini ce monde, hein. Alors, on va partir. Le donjon des contes. C'est parti, mon kiki. Bienvenue à Donjon des Contes. Oula. Bonjour tout le monde. Ça commence par lui. Une berceuse, même pas la peine d'y penser. Fais-moi descendre ici ou je vais tomber. Si je te mets un matelas par terre, tu peux sauter ou... Voilà. Saute. Wouhou. Oh, Pinocchio, tu as menti. Petit nez. Alors, honnête. Voilà. Maintenant que tu es honnête. Oh, c'est devenu un vrai garçon. On va pas aller là-dedans tout de suite. Salut toi. J'avais une petite agnelle et je voudrais la voir pour dîner. Peux-tu m'aider à la tirer? Ok, faut trouver l'agnelle. Ok, salut les rats.
C'est rare sans trop gros et ça veut pas dire que j'ai besoin de quelque chose qui fait de la musique. Une flûte. Car tu es l'homme qui joue de la flûte. Qu'est-ce que tu veux? Notre amour me semble impossible. J'aimerais que nous ayons plus de choses en commun. Ok, bah je vais te rendre géante. Non, je voulais... M'en fous, je le rendrai petit. Ah bah, tant pis. Je me suis époumonné, mais à mon grand regret, il me faut de l'aide pour souffler cette maison de Gorée. De l'aide pour souffler un ventilateur. Putain, je te le donne. Non. Bon, alors, de la dynamite. Ok. Putain, j'ai été tué dans l'explosion, quoi. On monte. Rumpel Steel Skin. Tisser de l'or, avec de la paille, et encore. Tiens, je te donne un peu de paille. Ça c'est fait. Salut toi. Un minuscule. Ouais, alors, le petit poids. C'est connu. Mais. Non. Ah oui, mais normalement, il est tout en bas le petit poids. Non. Alors, un poulet, on va mettre. Normalement c'est un petit poids. Ah. Ok, je l'ai réveillé manuellement mais... Petit poids. Petit poids je te dis. C'est celle qui ressemble au petit pois. Bon. Pourquoi tu veux pas? Alors, endors-toi. Endormi, tu étais très bien. Ouais, bon. On va réinitialiser le niveau parce que là, je pense que j'ai fait des bêtises. Alors. Volant et rapide. Ta. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un à aider sur la droite? Ah là. Salut. Le miroir dit que je ne suis pas joli. Hein, s'il voulait me blesser, c'est réussi. Bah on va te rendre joli. Oh. Voilà, maintenant le miroir est amoureux d'elle et elle panique. What? Bon. Un petit poids. Ah voilà. Bah j'ai entendu le... Non. On va essayer de remettre. Bon, on va mettre une vache. Un petit poids, normalement ça marche. Petit pois. Petit pois. Petit pois. Un pois. Un pois vert. Oh si c'est ça. Ah mais mon dieu. Parce que tout à l'heure il me donnait la cosse avec tous les pois. Oh. Ok c'est un face. C'était beau. Bon, on va remonter un petit coup par là. Comment je rentre là? Je ne rentre pas, d'accord. Oh. Tous les chevaux et les hommes du roi sont partis, je me retrouve de nouveau anéanti. Bon bah on va te donner de la colle hein. Ok. Et toi? Mes cheveux n'arrêtent pas de pousser, se retrouvent souvent coincés comme tu peux le constater. Bon bah des ciseaux, non, un coiffeur.
Homme, d'accord. Voilà. On peut rentrer par la fenêtre? Ah d'accord, on pouvait donc aller là. Toi on t'a aidé déjà, est-ce que quelqu'un... Ah, sur le toit. Le chaboté! Miaou, aide-moi mon ami. Vite, aide-moi à enlever ses bottes tout de suite. Un chausse-pied. Voilà, le chat déboté. Alors, où est-ce qu'on a oublié quelque chose? Bon, il y a la brebis. Mais elle est où ta brebis? Où est-ce que pourrait être la brebis? Pourquoi il est de nouveau? Mais... On va te recruter toi, mais t'arrêtes pas, hein. Oh non, d'accord, il se casse sans cesse. Ouais... Tu veux quoi? Alors, ton agnel, peut-être faut lui donner tout simplement. Non? Tiens. Non, tu veux pas ton agnel? Où est-ce que pourrait être l'agnel? Bon, on va déjà faire ça. Ok, je m'approche. Aide Hansel et Gretel à survivre à ce conte déchirant. C'est parti, mon kiki. Hansel et Gretel sont sortis explorer et donnent-leur quelque chose pour qu'ils laissent une trace derrière eux. On va leur donner des cailloux. Ok, il laisse des cailloux. Aide la vieille dame à couper un petit bois de cheval. Ouais, une hache. Tiens, on va couper du bois toi. Fais gaffe, je sens le piège arriver, Hansel et Gretel. La vieille dame est chelou, moi je dis c'est la sorcière. Oh, je l'avais dit. Ta-da-da. Oh non, pas Hansel. Donne à Hansel quelque chose pour tromper la sorcière afin qu'elle ne le mange pas. Un mannequin. En plastique. Non. Donne quelque chose pour tromper la sorcière. Oh là là. Je suis trop dodu et j'ai l'air trop délicieux. Trop dodu, bah voilà. Maigre. Ça nous ferait gagner du temps, attire rapidement la sorcière près du four. Regarde, y'a un chat ici. Oh, c'est pas ça que je voulais faire, y'a un chat là. Non, devant. Regarde, y'a un chat qui brûle. Ok, elle a mis... Oh, la sorcière brûle. Bon, le chat, il brûle aussi. Plus de temps à perdre, tu dois sauver Hansel d'ici. Une clé chaude. On va essayer de la ramasser. Aïe. On va me faire de la glace. Non. Un gant de four. Ok, un gant tout court. Un gant à doigts, si possible. C'est bon, j'ai un gant. Hop là, je t'ai libéré. Oui, papa. Donne-moi l'étoile en échange. Merci. Youhou, youhou. La promenade en salle Gretel.
complété. Alors. Miaou. Miaou. Y'a pas un truc qu'on pourrait ouvrir pour la... La Niel, t'en veux pas, non? Bon, tant pis. Elle est où, cette Niel? Ça, c'est des rats, c'est pas une Niel. La maison. Là, non. Elle est où, la Niel? Alors là-dedans, il y avait des pois. Il y avait des pois. Il y avait même une vache. J'avais mis une vache, c'est vrai. Où est la Niel? Du pois et quoi? Ah, c'est le miroir. Ok. Je vois pas où est la Niel. Honnêtement, je suis perdu. Répète-moi, toi. Ah, tu veux l'aider? Alors, un appo. Et on l'utilise. Bon, bah, qu'est-ce que ça mange? De l'herbe. Ah, voilà. Niveau complété. Ah, bon. Les amis, je sais pas si on a le temps. On va regarder. Est-ce que le suivant... Bah, vu qu'en plus il en reste pas beaucoup, on va se laisser là pour aujourd'hui. N'oubliez pas un pouce vert, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à la chaîne YouTube afin de ne manquer absolument aucune vidéo. Sur ce, je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode. Ciao !